Vem com o bumbum tom tom tom, vai mexe o bumbum tom tom. Vem desce o bumbum tom tom tom, vai mexe o bumbum tom tom. Vem desce o bumbum. Juste avant de commencer cette vidéo, je vous dis juste qu'il n'y a pas d'intro parce qu'en fait j'ai eu un bug au montage, donc il y a juste une tête de moi au montage, et donc je vous dis moi bonne vidéo. Oh, wait till you see the no. C'est parti, alors setup 2019, c'est parti, je vais vous faire voir tout de suite. Allez, tout de suite. Alors tout simplement nous allons commencer. Donc nous commençons par le coin gaming. Nani voilà, tranquille, hein. Donc, ce coin est gaming Coco. Et avec la console donc la Nintendo qui est là-haut, la Nintendo Switch. Et ma PS4. Voilà, avec mon casque Nani. Je connais plus la marque. Mon premier casque. Attendez, je vais me mettre à la lumière. Hop, mise au point. Voilà. Donc c'est un casque. Je connais plus la marque, ça fait longtemps que je l'ai. Il marche toujours très bien. J'ai acheté ça fait facilement un an que je l'ai. Voilà. Bon, j'ai fait mon émission. Voilà. Une clé USB. Hop. Alors attendez. Non, c'est pas facile. C'est galère. Une main clé USB, enfin une clé USB où qu'on peut mettre des cartes SD, voilà, tout simplement. Donc que je peux brancher sur mon ordinateur, parce que mon ordinateur, je peux pas brancher de cartes SD dessus. Voilà. Donc ma télé, voilà, j'arrive pas à prononcer la marque, et au pire si vous la connaissez, ça suffit pour des gamers comme moi, voilà. Voilà. Alors après, nous passons à l'éclairage. L'éclairage, c'est une soft, j'arrive vraiment pas à le dire, softbox. Tous les youtubeurs en ont une au moins, enfin, tout le monde a un éclairage. L'éclairage dans les vidéos, c'est important. L'éclairage et le son, c'est important. Donc voilà, bon, l'éclairage c'est quand même plus important que le son, mais le son, si tu as un meilleur son, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, nous continuons avec ma perche de micro, mon micro qui est relié à la PS4. PS4 qui est là. Ça, le câble USB, c'est l'alimentation du micro. Et c'est en XLR. Voilà. Bon, tout le monde connaît ça. C'est en XLR et c'est branché. Alors attendez deux petites secondes. C'est branché. On peut brancher en jack. Voilà. Avec un truc. Là c'est mon casque et là c'est le micro, voilà, tout simplement. Donc je vais le mettre là. Donc voilà, maintenant nous continuons. J'ai des copains qui viennent sur ma play, voilà. Donc nous continuons avec ce bel écran, bon, que je vais bientôt changer, mais quand j'aurai l'argent qu'il faut, parce que en fait un écran ça coûte assez cher, hein. Je sais pas si vous le savez, ça coûte très cher. Voilà, un écran avec son casque dessus. Bon, c'est mon deuxième casque. Alors voilà, donc attendez, je mets juste le casque comme ça. Hop, vous pouvez voir. Donc il est plus grand que le PC, mais bon, ça me suffit quand je veux faire des montages. Parfois je passe l'écran là, ou quand je travaille, que je vais avoir par exemple mon retour vidéo, ou quand je fais des lives, j'ai mon retour écran de ma webcam qui est là, et ici je vois le chat.
c'est très très bien d'avoir un deuxième écran. Voilà, voilà. Donc mon PC, un HP. Nous allons continuer avec une bande LED qui est... Alors attendez, je remets juste l'écran. Une bande LED qui est juste derrière mes écrans, qui s'arrête là. Bon, qui commence là, qui s'arrête là. Voilà. Bon, le reste, c'est la deuxième bande LED que j'ai pas encore raccroché, enfin raccordé du moins. Voilà. Donc, je vais vous montrer ma caméra parce que je pense que c'est ce que vous attendez le plus. Voilà, voilà. Alors, attendez. Ah oui, mon siège aussi. Bon, c'est pas une... C'est une... Enfin, c'est pas vraiment la marque Gamer D-Stresser ou je sais pas comment on pourrait dire. Mais c'est un siège très confortable. Très, très, très confortable. Les accoudoirs peuvent se régler. Tout simplement. Et ma caméra, je vais vous la montrer dans mon miroir. Juste la dévisser. La déboîter du moins. Hop. Voilà. Alors, c'est une comment ça s'appelle, une 4K, une caméra 4K que là je filme en HD P30, voilà. Donc c'est de la marque voilà. Donc attendez, c'est de la marque Android machin, enfin c'est comme Android mais c'est en Android, je sais pas trop quoi. Bon, je l'ai quand même payé assez cher. En tout, je crois que je l'ai payé allez, je dirais 200 € plus le micro, hein. Une centaine d'euros, enfin non, 200 € le micro. Donc, alors attendez, je vais le dévisser pour que vous voyez. Hop, voilà. Donc, c'est un micro Rode, hein, voilà. Hein, donc, un très bon micro. Donc, tout simplement, mon imprimante 3D, voilà. Donc, avec un ordinateur fait pour l'imprimante 3D. La bobine de fil, alors, c'est du PLA. Alors, il y a du PLA et de l'ABS. De toute façon, il y a une vidéo qui va sortir dans pas très longtemps. Là, il y a du PLA, je crois, blanc. Je sais pas. Bon. Il y a du PLA noir et blanc, je crois. Je crois que c'est du PLA ou de l'ABS. J'en sais rien. Ne vous inquiétez pas, il va y avoir une vidéo qui va sortir. Voilà. On a réussi à imprimer un bouchon de bouteille. Quand vous mettez votre bouteille, enfin, qu'elle est ouverte, vous n'avez plus de bouchon comme une bouteille de champomie pour les enfants, par exemple, ou de champagne. Mettez ça par-dessus et c'est fini, ça tient. On a déjà testé, mais bon, voilà. Alors ça, voilà, c'est le... C'est pour refroidir, enfin, je sais pas, c'est pour aussi la tête. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Donc, c'est soit par carte SD, mais on préfère faire par réseau, c'est mieux. Voilà, voilà. Donc, on repasse tout de suite. Ah oui, j'avais pas la chambre. J'ai oublié, regardez ma porte. Sportif du canapé. Bon, ça, ne faites pas attention à cette image. Et voilà. Donc, on va rentrer tout de suite. Voilà. La setup avec une garde ici. Voilà. Voilà, tranquille. Là, j'ai complètement oublié que à la fin de la vidéo, le trépied Ama. C'est un très bon trépied, voilà. Ça fait un an que je l'ai aussi. Quand j'ai commencé ma chaîne, j'avais un vieux trépied tout pourri de chez Wish, voilà. Et maintenant j'ai un bon trépied, bon. Donc voilà. Donc vous entre montre plus, hein, vous pouvez le dire. Donc voilà. Donc je vous dis c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, partager à tous vos amis et à me suivre sur mon Facebook. Bon. Ça fait longtemps que j'ai pu y aller, je suis pu y aller sur Facebook, mais en tout cas j'essaierai de le mettre en description. Allez, ciao ciao les gars, ciao ciao le petit pote et peace et tous les belles comme la papaya.
digáis nada, no os entendería.